Le dossier Ryanair est reparti avec une condamnation de l'entreprise irlandaise. Cette compagnie doit payer ses charges sociales comme si elle était une entreprise française pour ses salariés français à Marignane. C'est évidemment tout à fait normal et on peut penser que Ryanair a prévu ce jugement. Mais d'un autre côté, c'est toute la problématique aujourd'hui de l'implantation des entreprises étrangères en France et de leur façon de travailler qui est en cause. Ce n'est pas le dossier du low cost. De ce côté-là, tout le monde conçoit qu'aujourd'hui, on doit payer les voyages en avion moins cher. Et Air France a même lancé des bases régionales pour concurrencer des entreprises telles que Ryanair. Mais on est plus sur un problème de législation sociale. Tant qu'on n'aura pas réussi une harmonisation sociale européenne, on sera confronté à des cas de ce type. Ryanair est le cas, bien sûr, le plus spectaculaire. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'activités, dont notamment le bâtiment, qui souffrent de cette problématique de travailleurs étrangers ou de travailleurs représentant des entreprises étrangères qui n'ont pas les mêmes coûts sociaux que les Français. Un problème à régler d'urgence si on ne veut pas se retrouver devant les tribunaux toutes les 5 minutes.